en titre, pas dans le Nouvel Obs, mais dans d'autres médias, par Audrey Pulvar de Point. À l'époque d'Arnaud Montebourg, c'était très violent. Donc du coup, on passe dans une histoire de violence conjugale, et que je n'ai jamais évoquée, ça n'existe pas. Et ça vous dépasse complètement. Mais ça me dépasse complètement. Donc parfois, on a l'impression, enfin, on peut avoir l'impression qu'effectivement, je parle beaucoup de moi, mais non, pas tant que ça en fait. On me parle beaucoup de moi. Alors Audrey Pulvar a déclaré, je parle beaucoup de moi. Exactement. Bon, non, on va continuer à nous, on va continuer à parler d'Audrey Pulvar. En fait, c'est pas Audrey Pulvar qui va parler, c'est nous qui allons en parler. On se retrouve dans quelques instants dans Bonjour la France. À tout de suite. Bonjour la France. Sur Europe 1. Qui d'autre que Thomas Thorode pour arbitrer Yapapeno sur Europe 1? Yapapeno, votre nouveau jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Non, c'est tous les jours à 16h avec l'ultra Julien Cazard. C'est pas parce qu'il a la tête d'Harry Potter qu'il va transformer les chèvres en licorne. Bonjour la France, le 10-12 d'Europe 1 en direct, en public, bien évidemment, avec la belle équipe et Audrey Pulvar qui est avec nous ce matin. On est ravis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et là, il est là, il est rentré dans le studio. Il est beau, il a mis sa belle chemise noire, il a le sourire. Beau, le sable chaud. Oui, aussi, il a le sourire. C'est Didier Porte qui a quelque chose à vous dire. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Didier. Voilà, j'ai une petite requête à vous adresser. Je me le permets dans la mesure où nous nous sommes déjà croisés à plusieurs reprises dans diverses émissions. Vous savez que je suis un de vos fervents admirateurs. Enfin, vous le savez, vous avez dû l'oublier, mais pas moi. Non, je vous en veux pas, j'ai l'habitude, vous savez. En fait, tous les mardis, je fais le portrait de l'invité et parfois, je suis retardé par des impondérables ou des gêneurs. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière où nous recevions l'actrice Bérénice Bejo. J'avais préparé un très joli portrait, très enlevé, empathique, sans être flagorneur, délicat et informatif à la fois. Vraiment du bon boulot qui changeait quand même substantiellement de ce qu'on entend habituellement dans cette émission. Seulement voilà, Daphné Burki, qui a des qualités par ailleurs, m'a interrompu très souvent, justement sûrement à cause de cet esprit de changement que je cherche à insuffler dans son émission. N'importe quoi. Par ailleurs excellente, en tout cas le mardi à partir de 11h30. Mais bon, c'est comme ça, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui veulent que rien ne bouge. Hein. Ils sont crispés sur leur vieille lune, ils tiennent absolument à ce que les gens soient payés quand ils travaillent, qu'on puisse manifester sans aller en prison, enfin des lubies d'un autre âge. Oui, vraiment. Du coup, n'ayant pas pu terminer mon magnifique portrait de Bérénice Bejo mardi dernier, je voulais vous demander, chère Madame Pulvar, est-ce que ça vous pose problème si je le fais maintenant en même temps que je commence le vôtre, comme ça je rattrape mon retard, ok? Alors c'est parti. Audrey Bejo est née le 20 février 1972 à Fort-de-France en Argentine, pays que ses parents sont obligés de fuir quelques années plus tard à cause de la dictature, notamment musicale, instaurée par la compagnie créole Zouk Machine et le très contestable Frankie Vincent, dont les ritournelles enchantent à l'époque la jeune Audrey, qui heureusement n'en comprend pas les paroles vu qu'elle ne parle pas espagnol. Installée en métropole, Audrey va y faire une très belle carrière de journaliste, qui lui vaudra d'être récompensé par un prix d'interprétation au Festival de Cannes, ainsi qu'un César du meilleur rôle féminin, récompense qui la plonge, et on la comprend, dans un abîme de perplexité. Ben oui. Bien que mariée au cinéaste Michel Azanavicius, notre invité va vivre une passion torride avec un ministre socialiste dont le patronyme est quand même beaucoup plus facile à prononcer que celui de son époux légitime. Une passion tellement torride que le malheureux ministre, qui ne l'est plus, en cultive encore aujourd'hui le souvenir en refusant de faire autre chose que de vendre des canapés. Pourquoi des canapés? Vous seul pouvez éclairer notre lanterne, Audrey, mais je vous déconseille de le faire, car vu les identités des personnes assises autour de cette table, ça pourrait s'ébruiter. Aujourd'hui, vous avez mis en sommeil votre carrière journalistique en vous faisant nommer à la présidence de la Fondation de Nicolas Hulot, appelé au gouvernement par Emmanuel Macron, avec pour mission d'avaler un maximum de couleuvres, mais attention, des couleuvres bio. Comme vous n'êtes pas spécialement identifié en tant que militante écologiste, cette nomination a surpris les observateurs, à l'exception de ceux qui connaissent votre passion immodérée pour les échantillons d'après-shampoing Ushuaïa à la graisse de bébé manchot, dont vous disposez désormais à volonté. Je ne saurais conclure ce portrait très complet, vous en conviendrez, sans évoquer le scandale qui a gravement entaché votre carrière, chère madame, le fameux scandale des lunettes de la honte.
En octobre 2012, en effet, la France apprenait avec effroi que vos lunettes, en plus de leur prix exorbitant, étaient fabriquées avec des écailles de tortues innocentes. Je constate, au silence affligé de notre public, que sa condamnation est sans appel. Je confirme. Vous avez déjà entendu le cri de la tortue qu'on désécaille, Madame Béjot ? C'est à la présidente de la Fondation Nicolas Hulot que je m'adresse et à qui je pose cette autre question. Au mois de juin dernier, dans une interview à Pèlerin Magazine, à l'interrogation « Quel est votre film culte ?», vous avez répondu « Magnolia, parce qu'il est magistral et qu'il y pleut des grenouilles ». Yes, absolument. Quel rapport entretenez-vous avec la souffrance animale ? Ça vous amuse de voir des grenouilles s'écraser vivantes sur le pare-brise de la voiture de Tom Cruise ? Quel rapport entretenez-vous avec l'église de Scientologie, ma chère Bérénice ? Et surtout, quand comptez-vous annoncer votre démission de la Fondation Hulot, qui est devenue inévitable, vous en conviendrez, chère Madame Pulvar ? Répondez à mes questions. Mais bien sûr, c'est ce moment précis que va choisir Daphné Burki pour m'interrompre et vous sauver la mise en vertu du pacte de solidarité tacite qui unit les gros légumes de l'élite vaginocratique. Oh, et bien, je ne vous offrirai pas ce plaisir. Mesdames les censeuses, bonsoir. Mais ah, et voilà. Et Didier Porte, il prend la porte. On est habillés. Voilà. On est habillés. Grosse, d'accord, mais légumes, non. Ouais, non. En revanche, oui, c'est vrai qu'on a... Pour moi, bien sûr. Bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Audrey, d'avoir supporté Didier Porte. Allez, on se retrouve dans un instant. On écoute YouTube. The Bad Thing About Me sur Europe 1. Bah, si. C'est un premier extrait du nouvel album. C'est absolument excruciating, comme on dit en anglais, c'est une crucifixion. Alors, pour Ariel, évidemment, mais pour les autres, en tout cas, sachez que l'album sort le 1er décembre pour célébrer 40 ans de carrière, Ariel. Donc ça fait 40 ans que vous faites la tête. C'est bien dans Bonjour la France sur Europe 1. Bonjour la France. Il s'en fout parce que c'est son moment à lui. Il a donné sa petite prescription. C'est le moment pop, c'est le moment whiz. C'est la prescription culturelle matinale avec le docteur Wiesmann. Merci d'avoir. Bah oui. Un DVD au lit. Une heure de vapotage face à la mer. Mâcher du chewing-gum en regardant les pointes de ses cheveux. Une phrase commencée et jamais finie. Se tenir la main en écoutant du Ravi Shankar. Faire croire à sa femme et à ses enfants qu'on n'est pas là alors qu'on dort à la cave. Voilà quelques-uns des plaisirs qui sont liés à la paresse, ce vice impuni. Est-ce que vous en voulez d'autres ? Oui. Ah oui, j'adore. Eh bien, boire un thé à la bergamote. Oui. En faisant la liste des choses qu'on peut faire le lendemain. Oui. Ronronner tout seul comme ça. Ça c'est roucoulé. Oui, roucoulé, c'est un peu la même chose. Oui. Alors voilà, ça c'est ce qui rend la vie savoureuse et qu'on oublie parce que tout simplement on est pris dans un torrent de conneries et de merde qui est notre vie quotidienne. Et qui commence dès qu'on ouvre l'œil et où l'on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je paye ça, il faut que je réussisse ça et on devient un connard. Et contre ça, on est tous des connards à ce moment-là. Et contre ça, un homme s'est élevé depuis très longtemps. Il s'appelle Tom Hodgkinson. C'est un Anglais qui a fondé un magazine en 1993. Ça s'appelle The Idler. The Idler, c'est l'oisif. Alors les premières couvertures de The Idler, c'était un coup un escargot, un coup un pigeon de ville, enfin toutes sortes de créatures qui savent apprécier la vie, même pas dans sa lenteur mais dans sa vacuité, comme elle doit être tout simplement, comme elle nous a été donnée. Et là, il publie un livre qui est absolument somptueux, qui s'appelle L'art d'être libre dans un monde absurde. C'est ce fameux monde que j'ai qualifié avec autant de gros mots tout à l'heure. Ce monde où, par exemple, les gens disent, alors je vous cite un extrait, j'entends régulièrement de la bouche de certains parents, souvent au sujet des garçons, il ferait mieux de s'endurcir parce que le monde est dur, il est compétitif. Pourquoi ne pas dire plutôt le monde est merveilleux, alors rendons cet enfant merveilleux pour mettre fin à ce monde plein d'enfoirés. N'aggravez pas le problème en faisant de votre fils un enfoiré, montrez l'exemple. Et c'est vrai, ce monde nous demande,
demande tout le temps implicitement d'être compétitif, d'être agressif, nous fait croire que nous réussirons notre vie en nous violant nous-mêmes et en violant tout ce qui bouge autour de nous, eh bien ce monde s'est trompé, il est arrivé à un échec, comme nous le dit d'ailleurs Pierre Rabhi dans la préface du livre de Tom Hodgkinson, voilà, qui est publié aux éditions Les Liens qui libèrent, et je vous garantis... Redonnez-moi le titre du livre, cet éloge de la paresse. L'art d'être libre dans un monde absurde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, non. Mais il faut se consacrer à ce que les Grecs appelaient la scolae, le loisir studieux. Accepter apprendre en ne faisant rien. C'est hyper dur d'apprendre à et apprendre que beaucoup de choses se font en ne faisant rien. Oui, non, et en attendant. Une petite musique d'attente, s'il vous plaît. Vous, Audrey, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes un peu paresseuse? Regardez le ciel, regardez m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages et ne penser à rien et me laisser bercer. C'est important de prendre le temps. Mais vous savez, je suis tout à fait absolument d'accord avec Ariel sur tout ce qui a été dit. C'est le carburant de ce monde tout pourri là, je vais pas reprendre tous vos gros mots, c'est le court terme, parce qu'on est dans un court-termisme permanent, une pression permanente, mais même le long terme, parce que il y a une très grosse critique du crédit dans ce livre qui fait qu'on a nos vies achetées par quelqu'un d'autre. On a cette pression économique évidemment, mais vous nous dites simplement qu'il faut s'autoriser quelques petits au lieu de se faire deux petites bises sur les joues, faisons-nous un gros panneau très long. On vous mettra la référence. De temps de vivre, un peu de temps de vraie vie et de temps consacré à ce qu'on aime, c'est important. On vous mettra la référence évidemment sur le compte Twitter de Bonjour la France. On se retrouve dans un instant avec toute l'équipe, voire même deux équipes, puisqu'on va quizer, on va jouer avec l'actualité. Bonjour la France sur Europe 1. Affronter info politique, info people, info international, peu importe, il va falloir gagner. On verra. En deux points. C'est bonjour le quiz. Bonjour la France. Bonjour le quiz. Oui, très rapide, hein. En deux points. Donc j'ai deux équipes. À ma gauche, j'ai Audrey Pulvar, Mathilde Derrière et Ariel Wiesmann. Vous êtes l'équipe des Hulottes. D'accord. À ma droite, Bertrand Chamerois, Elisabeth Assayac. Vous êtes l'équipe des Hiboux. Très bien. Vous pouvez jouer aussi dans le public également. La seule chose que vous devez savoir est que la question a un lien avec l'actualité du jour. Je commence par une énigme. On a besoin de tout le monde, chez vous aussi. D'ailleurs, vous pouvez avoir la réponse. Qui, quand il a besoin de se reposer et de se calmer, aime s'allonger et écouter ceci. Quand je dis que vous avez, que nous avons une responsabilité aujourd'hui inédite, c'est que tout dans le monde que nous traversons pourrait nous pousser vers le rétrécissement. Ou encore cela. Faites partie de ces femmes et ces hommes qui avaient décidé d'être des cons, c'est-à-dire d'être à hauteur de l'histoire de notre pays. Qui, quand il a besoin de se reposer, de se calmer, aime s'allonger et écouter encore ça. Toutes ces histoires, ce sont ces petits points cousus entre la Grèce et la France. Et vous les faites vivre. Pour se reposer, qui aime écouter les discours d'Emmanuel Macron? Brigitte Macron? Non. Emmanuel Macron? Non. Florent Philippot? Non. Nemo? Oui. Ah bon? Oui. Il s'agit de Nemo, mais le chien président. Parce que j'avais enquêté sur ce chien et je me suis dit le truc le plus absurde, c'est de dire le chien. Bravo Mathilde, parce que c'est selon le site voici. Emmanuel Macron et Nemo, donc le croisé griffon labrador, je vous rappelle, non, pas le poisson, qui a été adopté en juillet, ont développé une relation apparemment très fusionnelle, une relation si fusionnelle que quand Emmanuel Macron s'absente de l'Elysée, ça déboussole complètement Nemo. Mais les secrétaires de l'Elysée ont trouvé le moyen, le remède pour consoler Nemo, le chien d'Emmanuel Macron. Ils le mettent devant la télévision pour qu'il écoute donc les discours du président de la République et apparemment ça le calme immédiatement. Donc ça fait un point et qui pour a vous. Pris le temps de vérifier cette info, la chercher. Ah bah ça a été recoupé, recoupé comme un bon jeu. J'ai rien contre, mais c'est vrai qu'une bonne fléchette avec un anesthésiant, c'est aussi bon. Hein. Allez, une deuxième question. Une deuxième question avec un indice en musique. Rolling Stones, oui, chanson légendaire de Bob Dylan, reprise par les Rolling Stones, la chanson, le groupe, les Rolling Stones ont la réputation d'être sans concession, pourtant, un Rolling Stone est à vendre. Lequel? Keith Richards. Non. Le journal? Oui. Les Stones sont très bons.
Elle a trouvé. Il s'agit de l'édition américaine de Rolling Stones. Et oui, le légendaire magazine dédié à la musique de Rolling Stones, dédié à la musique rock, est à vendre. Donc voilà, Dylan, John Lennon, Bowie, Prince d'ailleurs, ils étaient tous interviewés dans ce magazine. Je dis ils étaient parce que voilà, il est en vente. Hein. C'est Jan Werner, le fondateur du magazine, qui a donc lancé pas mal de carrières de journaliste, de photographe, comme d'ailleurs Annie Leibovitz. Et donc, c'est l'un des journalistes les plus importants, hein, je pense, rock sur cette terre. Et donc, il a annoncé qu'après 50 ans, ça y est, c'est vendu, il vend Rolling Stone. Non, il ne s'est pas vendu, il le met en vente, donc on ne sait pas qui va l'acheter. Mais peut-être Bertrand Chamerois. Ouais, ou peut-être Mathieu. Riche. Peut-être Mathieu Noël. Non ? Mathieu Noël, comment ça va ? Bonjour Daphné, comment allez-vous ? Ça vous êtes en train de bailler négligemment. Dans notre désir. Mais oui, je ne sais pas. Écoutez, dans notre désir d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres émissions, aujourd'hui, dans Rien ne s'oppose à midi, on vous dévoile les jouets stars de Noël. Ça peut paraître incongru mi-septembre, mais comme ça, au moins, on sera les premiers. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Et merci à Audrey Pulvar qui remporte ce jeu. Donc, c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est elle qui gagne. Mais je crois que les profits seront reversés à la Fondation. Oui, à la Fondation Nicolas Hulot. Et vous avez aussi le droit d'écouter Mathieu Noël. Hein. Tout de suite sur Europe 1, ça n'a pas de prix, forcément. Merci d'avoir écouté aujourd'hui encore. Merci. Bonjour la France. Mais pour le moment, il est midi, vous êtes bien sur Europe 1. On fait un point sur l'actualité avec vous, Valentine Desjeunes. Bonjour Valentine. Bonjour Daphné, bonjour à tous. À la une, la Guadeloupe actuellement touchée par l'ouragan Maria, un ouragan potentiellement catastrophique d'après les spécialistes. Sur place, les habitants doivent toujours rester confinés car les vents sont encore très violents, ils peuvent atteindre 300 km par heure. Maria est passé très rapidement hier de catégorie 2 à 5, ce qui est exceptionnel. Il est actuellement en catégorie 4, c'est-à-dire extrêmement dangereux. L'île de la Dominique également a été touchée un peu plus tôt, a été traversée par l'œil de l'ouragan. D'après le Premier ministre qui a posté un message sur Twitter, le pays, la Dominique, a perdu tout ce qui pouvait être perdu. Pour l'instant, aucune victime n'est signalée, mais il est encore très tôt. En Martinique, la violence des vents a privé d'électricité 33 000 foyers et l'activité de l'île reste à l'arrêt. Les écoles et les administrations restent fermées. Le directeur général de la sécurité civique indique à l'instant que les dégâts matériels sont peu importants sur place en Martinique. Près de 400 migrants du camp de Grande-Synthe dans le Nord ont été évacués ce matin et dirigés vers des centres d'accueil. D'après la préfecture, il s'agit d'une opération de mise à l'abri de personnes qui vivaient dans de mauvaises conditions. Le trafic sur l'autoroute A16 a été perturbé en raison de la présence de migrants qui se sont échappés pour fuir cette opération d'évacuation. La plongée dans le grand bain pour Emmanuel Macron à New York. Le président prononce à 18h heure de Paris son premier discours à la tribune de l'ONU, juste après celui de Donald Trump. Une prise de parole d'une quinzaine de minutes. Le paquet de cigarettes coûtera 10 euros dans 3 ans, information du journal Les Échos. Le gouvernement prévoit une augmentation progressive avec d'abord une hausse de 1 euro en 2018. Ce sera le thème du débat d'Europe Midi à 13h sur Europe 1, autour de Maxime Soutek. Aung San Suu Kyi est sortie de son silence face à la crise des Rohingyas qui secoue la Birmanie. Dans un discours télévisé, elle a condamné toutes les violations des droits de l'homme et a promis que tous les auteurs des exactions seraient traduits en justice. La dirigeante birmane se dit prête à organiser le retour des 410 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Les enquêteurs des Nations Unies demandent ce matin un accès illimité à la Birmanie. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial à la frontière birmane dans le journal de midi et demi. Et puis un mot de tennis pour vous dire que la finale de la Coupe Davis se jouera à Lille, au stade Pierre Mauroy, sur un court en dur. La Fédération française de tennis l'a préféré à l'URNA de Nanterre. La finale opposera la France à la Belgique du 24 au 26 novembre prochain. Il est midi et 3 minutes. Vous êtes sur Europe 1 tout de suite. C'est Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à nous. Avec Mathieu Noël, sur Europe 1, Rien ne s'oppose à nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Rien ne s'oppose à midi, l'émission qui, même lorsque l'actu est sombre, marquée par la folie des ouragans et des dictateurs coréens obèses, prend quand même le parti d'en rire, car, comme le disait Goebbels à Göring, au pire moment de la guerre, il ne faut pas avoir honte d'être gay. Non, mais certains jours ce n'est pas facile. Heureusement à mes côtés, je peux compter sur la présence toujours rieuse, parfois potache, de mes deux acolytes Guy Carlier et Eva Rock, très en beauté aujourd'hui. Tout va bien, Eva ? Je suis très excitée. Toutes les nuits, je réfléchis à l'image sacrée, c'est un signe. Excellent, excellent signe. Au programme aujourd'hui.
Vous connaissez la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Eh bien, le bon chasseur est une chasseuse. Trois jours après l'ouverture de la chasse, on fera ce constat. De plus en plus de femmes s'y mettent. Notre reportage embedded, comme on dit, sans toutefois que je sache exactement ce que ça signifie. Et puis, Noël approche à grands pas. Oui, puisque c'est dans plus de trois mois. Les enseignes de jouets nous promettent-elles suffisamment pour des bus pour tenter de nous refourguer leurs nouveaux produits dès la mi-septembre? Ce responsable de Jouets Club nous répond. Les gens sont cons, faut en profiter. Nous serons donc très fiers de vous dévoiler en exclusivité les jouets stars qui font baver vos enfants à Noël et qui vous obligeront, vous, à contracter un nouveau crédit chez cet LM. Pour nous accompagner ce midi, à la sortie de la majeure journaliste de Sciences Po, elle rêvait de reportages de guerre en Syrie, de journalisme engagé, porter la plume là où ça fait mal. Elle a fini au service reportage de Rapin à couvrir des karaokés pourris là-bas. Maud Bécan, bonjour. Bonjour Mathieu. Funeste trajectoire professionnelle que la vôtre, et ça ne va pas en s'améliorant puisque là vous revenez carrément d'une partie de chasse. Exactement, une partie de chasse dans la Marne, figurez-vous. Dans la Marne. Astiquez bien votre calibre, Maud, le sujet est sensible. À ma gauche, il est mon parrain dans ce métier, il m'a tout appris de A à Z, alors que j'étais encore jeune et hésitant, que je ne connaissais pas les règles du showbiz, c'est lui qui m'a expliqué comment ça se passait quand on voulait faire carrière. J'aime pas trop ce qu'il se défend. Quand il replie, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de moi? J'ai dit oui, me voilà. Guy Carlier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Guy, je crois que vous avez croisé Frédéric Schlesinger, le patron d'Europe 1, dans l'ascenseur. Tout à fait. Je vous donnerai les conseils qu'il m'a prodigués. À ma droite. Ce sillon, ma mère, impeccablement dessiné. Cet étang qui pointe à la moindre émotion, à la moindre brise. Ces mamelons roses de vie, gorgés d'envie. Oui, heureux ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, faire le spectacle, vous le détour, et Véran, bonjour. Je sors tout de ce studio. Restez avec nous. Vous êtes notre spécialiste média, un soir sur deux, vous oubliez de nous parler télé, tellement vous trouvez tout nul. Mais ce midi, vous n'avez pas le choix, il faut regarder Arte ce soir. Et oui, 9 heures de documentaire pour une plongée au cœur de la guerre du Vietnam, un récit effroyable qui s'est soldé par la mort de 3 millions de personnes côté vietnamien et celle de 58 000 soldats américains. Voilà, si vous voulez vous en payer une bonne tranche, restez avec nous. Mais avant de rire avec la guerre du Vietnam, cette question qui, je sais, vous hante tous, chers auditeurs, puisque c'est seulement dans 64 jours, quels vont être les jouets stars de Noël? Oui, dans la série, il n'est jamais trop tôt pour nous faire raquer. Les grandes enseignes de jouets ont déjà envoyé leur catalogue de Noël. Anne leur jumet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service adjointe du service économie d'Europe 1, un statut, on peut le dire entre nous, bien mais pas top, un peu bâtard. Il va de soi que votre objectif est de supplanter cette feignasse d'Emmanuel Duteil pour lui ravir son titre de chef. Alors, c'est vrai, mais pas tout de suite. Oui, à moyen terme, quoi. Ce midi, Anne-Laure, c'est vous qui allez nous révéler les cadeaux stars de Noël. Et comme je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre sur une autre radio nous devance sur ce sujet brûlant, on commence par vous. Alors, chère Anne-Laure, officiellement, votre mission est claire, nous présenter de manière impartiale les nouveaux jouets qui vont enchanter le Noël de nos enfants. Officieusement, je vous demanderai quand même de citer le plus possible la marque Playmobil afin qu'on en reçoive quelques boîtes, car mon fils de 5 ans adore les Playmobil. Voilà, c'est à vous, donc Anne-Laure. Je me laissais dire que cette année, les grands du jouet avaient de très belles choses en stock, notamment chez Playmobil. Alors, oui, sûrement. Oui, j'espère bien. Mais c'est marrant, j'allais pas vous en parler en premier, parce que on va commencer déjà par les licences incontournables. C'est pas très original, mais ce sera encore un grand carton cette année. Notamment Star Wars, hein, vous savez que le 8e épisode sort le 13 décembre et Star Wars, c'est la licence numéro 1 du jouet depuis 2014 devant La Reine des Neiges et Pokémon, donc ça restera encore un grand carton pour Noël. Dans les licences, vous aurez aussi Cars, puisque Cars 3 est sorti en août et ça va continuer encore ce Noël à vraiment fleurir dans les rayons. Donc ça, c'est les licences, pas beaucoup de surprises, effectivement. Alors évidemment, les fabricants... Ça, c'est le gros du jouet, alors. L'essentiel des jouets sont des jouets de marque Star Wars. Exactement, mais c'est pas fini, puisque dans les marques aussi, eh bien, elles sortent des nouveautés quand même pour surprendre un petit peu les parents et les enfants, bien sûr. Donc par exemple, Mattel, vous savez, le créateur de Barbie, eh bien, sort cette fois-ci les Enchantimals. Alors, c'est quoi les Enchantimals? Ce sont de mini-poupées qui ont chacune un petit animal qui apparemment et a priori colle à leur personnalité. Voilà, donc ça s'appelle les Enchantimals et ce sera, semble-t-il, un carton, en tout cas annoncé pour Noël. On peut savoir si un jouet va être un carton. Bon, vous me dites ça, moi, le Enchantimals, ça me donne pas envie de me jeter dessus. Comment on sait que ça va plaire? Il y a des études qualitatives sur les enfants, on les teste. Parce que Mattel va me matraquer, parce qu'il y a aussi souvent des dessins animés derrière qui font une pub du tonnerre, et on voit bien les phénomènes, vous savez, dans les cours de récré, où tout d'un coup, un jouet devient une star d'un moment, c'est parce que les marques ont fait une pub infernale juste avant. Et alors, pour ces mini-poupées, c'est pour quel âge? C'est vraiment pour les petits ou pas? Parce que quand j'ai petite fille. Petite fille.
fille. Oui, ouais. On va dire 7-12 ans. Mais c'est ça, voilà. Donc, tu n'es pas dans la tranche d'âge. Non, je pourrais pas de le demander. Okay. Alors, vous avez aussi dans les petits personnages, c'est mignon à collectionner qui marche bien chez les petites filles, les Glimmies. Ça, c'est une autre nouveauté. Ce sont des petites figurines fluorescentes qui vont s'allumer dans la nuit. Et donc, vous pourrez en avoir plusieurs et avoir une espèce d'univers magique le soir. Non, c'est pas ça, mais c'est que je pense que, vu que vous nous en parlez maintenant, les parents ont intérêt à déjà commander, notamment sur le web, ce genre de produits, parce que sinon ils vont se retrouver une semaine avant Noël sans retour. Ça, c'est pas une économie, c'est qu'on a raison de faire ce sujet mais si tôt. On n'a pas tort. Alors, c'est vrai que les distributeurs, les fabricants de jouets sont pressés d'en découdre, et vous le disiez, ils font aussi monter un petit peu la température à 3 mois de Noël. Mais il est vrai qu'en tout cas, si on arrive à mi-novembre, début décembre, on commence à rentrer un peu dans la zone rouge, donc il vaut mieux s'y prendre un peu plus tôt pour être sûr d'avoir ce que souhaite son enfant au pied du sapin. Alors, on a parlé donc de ces jouets de marque. Hein. Vous allez aussi avoir un retour en ce Noël, c'est les Toupies Beyblade. Vous vous souvenez de ces Toupies? Ah oui. Les Toupies. Ah oui, Toupies, oui, je connais les Toupies. Même Guy connaît les Toupies, on avait souvent écouté. Vous savez, c'est on tire avec la et en fait, elle s'élance. C'était un succès il y a 7-8 ans, et bien figurez-vous que ça va revenir pour ce Noël. Voilà. Il y a aussi une autre marque qui s'appelle Infinity Nado, donc ça va être la guerre des Toupies en ce Noël, hein, c'est ce que nous prédisent les fabricants. Et puis, alors, on va parler aussi des jeux de société, parce que figurez-vous que les jeux de société font un carton à l'heure du tout écran. Ça, c'est assez surprenant, mais il y a les tablettes, mais il y a aussi les jeux de société. Et donc, là, je vous en ai amené quelques-uns. Les nouveaux jeux de société ou le Scrabble dans de nouvelles éditions? Alors, ça peut être effectivement les grands classiques. Et puis, les fabricants aussi cherchent des jeux plus ludiques, aussi plus courts, parce que le Monopoly qui dure 3 heures, on en a un petit peu assez. Donc, on cherche aussi des astuces pour parler que ça pour soit... Vous. Moi, je me régale toujours d'une bonne partie de Monopoly. Moi, personnellement, j'en ai un petit peu marre. C'est votre côté capitaliste. Je vous en prie. Donc voilà, on cherche des règles un peu plus rapides, plus ludiques. Et puis, des jeux aussi de société pour adultes. Hein, ça fait un vrai carton. Il y a aussi ce succès des bars à jeux de société hein, qui marche énormément. Donc, les adultes aiment jouer aux jeux de société. Je vous en ai amené un, par exemple. Ça s'appelle Ta mère en slip. Hein, désolé pour le titre qui n'est pas du plus meilleur effet. Mais en gros, vous avez des lunettes sur la tête. Vous avez un personnage, un lieu. Et vous devez les faire deviner aux autres joueurs. Voilà, ça, par exemple, demain, tiens, Donald ça. Trump au Cap d'Agde. Voilà, j'aurais dû par exemple, faire deviner ça. Ou un Teletubbies. Je ne sais pas comment tu aurais fait deviner ça, mais je veux pas savoir. Alors, un mot en 20 secondes. Toys R Us, ça va très mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec Toys R Us? Moi, j'allais toujours là quand j'étais jeune. Maintenant, ça va disparaître? Bah oui, ça va en tout cas disparaître, peut-être pas. Mais ils se sont placés sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Ça leur permet en fait un petit peu de voir venir et d'essayer de passer la saison de Noël sans trop de problèmes en essayant de restructurer un petit peu leurs dettes, parce que effectivement ils vont très mal, ils souffrent de la concurrence du commerce en ligne, hein. Amazon qui leur fait énormément de tort, aujourd'hui on préfère commander sur Amazon que aller en magasin physique, mais attention hein, ça concerne pour l'instant cette protection et cette faillite, ça ne concerne que leurs activités au Canada et aux États-Unis, pas encore la France. Voilà. Très bien, merci beaucoup Anne-Laure Jumet pour toutes ces infos de très belles innovations donc dans l'industrie du jouet, surtout chez... Vous écoutez un excellent public reportage d'Europe 1 sponsorisé par les magasins Jouets Club qui eux vont très bien. Rien ne s'oppose à midi continue juste après la pub, enfin la pub payante. Au programme Guy Carlier, Viet Cong et Gros Calibre. A tout de suite. Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1. Il s'oppose à midi, continue avec Eva Rock qui est en train de jouer avec le télécran. Et oui, c'est un bon sort. Ce jouet qui revient à la mode, effectivement, le télécran de nos douces années d'enfance. Anne-Laure Jumet, Guy Carlier, et celle qui était revenue la semaine dernière de son enquête avec des étoiles dans les yeux, des strass dans les cheveux et une folle envie de renouer avec la liberté sexuelle des 70s. Maud Descamps. La semaine dernière, vous étiez notre dancing queen en immersion dans un karaoké géant d'Abba. Aujourd'hui, c'est toute crottée que vous nous revenez, car jeudi, c'est le jour J. 16 septembre à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la gavinette cendrée. L'ouverture de la chasse, c'était ce week-end. Par-dessus les tours. Ah, la chasse qui... Communion magique de l'homme et de la nature. Bref, Maud, vous parlez de la chasse qui n'est plus l'apanage des hommes, donc la saison vient d'ouvrir. Un événement puisqu'en France, c'est le plus gros pays de chasseurs d'Europe. Et alors Maud, quoi de neuf au pays justement de la gavinette cendrée? Eh bien, figurez-vous, mon cher Mathieu, que les chasseurs ont bien changé. C'est la fin de l'image du vieux monsieur grisonnant, veste matelassée. Le chasseur version 2017 est jeune
Il est urbain et de plus en plus souvent, c'est une femme. Excusez-moi, mais je vous inviterai en Normandie de côté de chez moi, vous verrez que ça n'a pas tant changé que ça. Hein. Vous ne connaissez pas les bons points de chasse, c'est sûrement pour ça. Alors figurez-vous que la part des moins de 20 ans chez les chasseurs n'a cessé de grimper ces dernières années. C'est la tranche d'âge la plus représentée aujourd'hui parmi les nouveaux inscrits. Et autre phénomène récent, les citadins sont de plus en plus nombreux, ras-le-bol de la ville, de la pollution, envie d'être en pleine nature, hein, voilà ce qui les motive. Mais pas seulement, écoutez l'analyse que fait Hugo Jarry, il est président des jeunes chasseurs d'Île-de-France. C'est une approche de la nature autrement. On va être au contact de la vie sauvage dans un rapport de prédation qui va attirer certains et on va voir finalement des animaux ruger, se défendre. Il va avoir un rapport avec l'animal qui n'a rien à voir avec celui qui va prendre des photos, qui va faire de la randonnée. Il y a cette recherche-là. Oui, la prédation, c'est quand même bien un truc de mec, ça. Pourtant, vous nous disiez, moi, qu'il y a de plus en plus de femmes. Eh bien, oui, écoutez, rien que l'an dernier, 10% des candidats au permis de chasser étaient des dames. Alors, elles sont un petit peu plus âgées hein, que les nouveaux inscrits urbains. Elles ont entre 25 et 30 ans. Et ces dianes, ou ces chasseresses, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, elles se font tout doucement leur place dans ce milieu qui reste quand même très masculin. Dans certaines fédérations, comme celle de la Marne, hein, où je suis allée, eh bien, il existe une formation 100% girly. Alors, à votre avis, petite devinette, quelle est la principale différence entre un chasseur et une chasseresse? J'ai très peur de tomber dans un cliché, je ne dis rien. Je laisse Eva s'exprimer. La tenue vestimentaire? Non. Écoutez Audrey Destenay, elle est formatrice dans la Marne. Déjà, elles sont toutes à l'heure. Contrairement aux hommes où ils sont en retard. Et ensuite, elles ont besoin de plus de manipulations. Donc on passe plus de temps avec elles pour les manipulations puisqu'elles ont moins l'habitude que les hommes qui vont tous faire du baltrap ou autre. Vous n'êtes pas pu aller dans un donjon SM. Je ne connais pas ce type de chat, c'est très étonnant. Alors, un épieu, c'est en fait un long manche sur lequel on a vissé un poignard. Je sais très bien, j'ai ma carte dans ce club. Mais... voilà, et donc bon, il faut quand même être un petit peu téméraire hein, pour aller tuer le sanglier avec ce genre d'armes. Surtout, et pourtant... c'est lui mettre la boule en plastique rouge dans la gueule avant. Ce sont d'autres pratiques. Et donc, cette chasse à l'épieu ou à la dague, eh bien, c'est ça qui plaît à Charlotte. Charlotte, elle a 16 ans, elle est en classe de première ES et tous les week-ends, eh bien, elle chasse avec ses chiens. La dague, ça se plante en dessous l'épaule du sanglier, donc direct au cœur normalement. Il faut mettre beaucoup de force et il faut le tenir par une oreille pour éviter qu'il retourne la tête et puis qu'il vous transperce le genou avec ses défenses. Il y a beaucoup d'adrénaline, c'est choquant sur le coup, mais après ça plaît beaucoup. Voilà, impressionnant quand même. Très sympa. Alors cette jeune fille, en fait, elle a fait chasse accompagnée. C'est un peu comme pour le permis de conduire. Vous chassez pendant un an, encadré par deux adultes. Vous commencez ça l'année de vos 16 ans. Et au bout d'un an, eh bien, vous pouvez passer votre permis de chasser. Et au moins, vous avez toutes les bonnes pratiques. Et alors, petite précision quand même. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas du tout grandi dans l'univers de la chasse qui se mettent à cette activité. En fait, chez les femmes, c'est un peu moins vrai. 80% des chasseresses ont soit un père ou alors un conjoint qui est déjà chasseur. Ah oui, est-ce qu'elles utilisent toutes des épieux? Elles n'ont pas d'armes à feu, ces femmes? Alors, il y en a quand même. Il y en a quand même qui utilisent des armes à feu. Hélène, par exemple, une jolie blonde de 28 ans. La semaine, elle travaille dans une collectivité. Le week-end, eh bien, elle se défoule en forêt avec son ou plutôt ses fusils. Donc mon petit fusil trac, donc un petit coup de tri, à deux cartouches, deux balles. Très léger pour les femmes, c'est bien. Pour passer 4, 5, 6 heures dans la traque, le fusil sur l'épaule ou à la main, c'est bien. Et j'ai également un épieu. Vous aviez une réflexion sur la chasse. Oui, par rapport aux parents de la jeune fille de classe de seconde qui rêvait d'enfoncer un épieu dans un sanglier, je me demande si la maman a entamé une psychothérapie. Écoutez, la maman ne s'est pas mise à la chasse, mais alors la petite sœur de Charlotte, qui a 14 ans, chasse également. Enfin, bref, toute la famille s'y met et écoutez, ça leur plaît beaucoup. Merci Maud Descamps pour toutes ces révélations sur les nouvelles pratiques de la chasse. Vous écoutez Europe 1, rien ne se pose à midi, continue à suivre la plume agile de Guy Carlier qui reviendra sur sa discussion avec le patron d'Europe 1. Et puis Eva Rock nous invite chez elle pour une soirée télé qui s'annonce forte en émotion. J'espère que vous aimez les moules. A tout de suite. Tous les matins vers 7h15 sur Europe 1, retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et dès maintenant, découvrez d'autres inventions et innovations sur edf.fr. Allez, allez,
Et un, et deux, et trois allées. Cours, terrasse, allée, Daniel Moquet aménage tous vos extérieurs comme il vous plaît. Alors rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet les samedis 30 septembre et dimanche 1er octobre. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Tion d'Obsegui. On va se faire une jolie petite partie. Garçon, fille, de genre mélange. Nous verrons. Si la chronique est bonne, priorité à l'antenne. Guy Carlinière, vous avez donc croisé Frédéric Schlesinger, le patron d'Europe 1. Il vous a donné deux, trois conseils. On est tout à fait, Mathieu. En quittant ce studio hier après émission, je suis tombé nez à nez dans l'ascenseur avec notre patron, Frédéric Schlesinger, blotti dans un angle de la cabine, encore tout engourdi de sommeil. Et c'est vrai que c'est attendrissant, un homme qui s'apprête à affronter une journée de travail à 12h40 avec les commissures des yeux encore collées par les miasmes d'un sommeil solitaire, car la mission qui lui est confiée dans cette station nécessite par contrat une vie d'asset. Et c'est donc un homme sans la moindre activité sexuelle depuis le 28 août qui me parla de notre émission qu'il adore, m'a-t-il dit. Bon, lorsqu'il a ajouté, et puis surtout je trouve qu'Anne Roumanoff a enfin trouvé le ton juste, j'ai un peu relativisé ses éloges, mais franchement, j'ai senti un réel enthousiasme de sa part lorsqu'arrivé à son étage, en quittant l'ascenseur, il m'a lancé « on va gagner » tout en me faisant un clin d'œil complice. Enfin, j'ai deviné qu'il voulait me faire un clin d'œil complice, mais comme ce geste lui était techniquement impossible compte tenu des reliefs nocturnes qui adhéraient à ses paupières, son clin d'œil s'est transformé en une sorte de grimace évoquant Michel Leb imitant le japonais. Malgré tout, enhardi par ses compliments, je lui demandais ce qu'il pensait plus précisément de la chronique que je venais de faire, et notamment de cette métaphore du marché des chroniqueurs et de cette image s'achevant par un journal communiste sur un étal désert dont j'étais assez fier. Là, Frédéric Schlesinger se figea dans l'encoignure de la porte d'ascenseur qui du coup venait régulièrement se refermer en martelant ses hanches, mais le message qu'il voulait me faire passer semblait si important qu'il le rendait insensible à la douleur, et il m'a dit « Ah ben oui, tiens, au sujet de votre chronique, juste une petite chose, on ne trouve rien, fait une réserve, là on est dans la nuance, le détail, la boutique, comment dire, ta chronique était chiante comme un dimanche de Toussaint chez Michael Lonsdale. » Le public a besoin d'histoires légères et rigolotes. Tiens, moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est cette news de BFM qui nous apprend que dans la ville de Worms, en Allemagne, un homme s'est présenté aux urgences de l'hôpital de la ville, le sexe coincé dans le trou d'une haltère de 2,5 kg. Adepte, c'est authentique, hein, adepte de la musculation pénienne, il avait l'habitude de soulever des poids de 5 kg dont la largeur du trou central permettait une insertion facile, mais ce jour-là, se sentant un peu faible, Anissé N, oui, donne pas son nom par une pudeur qui les honore, un ICN décida de ne soulever que 2,5 kg, mais il a oublié que, évidemment, le diamètre du trou central de l'haltère était réduit, et les médecins des urgences, après une standing ovation bien méritée, ont été obligés de faire appel aux pompiers, ce lieu aurait dû retirer l'haltère, etc. Voilà, me dit Frédéric Schlesinger, les gens ont besoin de rigolade. Ah ouais, alors, promettez-moi, à partir de demain, que des sujets de chronique légers et rigolos, j'ai promis. Juste au moment où il quittait l'ascenseur, mon téléphone s'est mis à vibrer, un SMS m'annonçait Paul is dead. J'ai pas compris tout de suite cette préférence, c'est une légende urbaine qui affirme que McCartney, le Beatles, est mort en 66. La preuve, dit-on, c'est que si on écoute la chanson Revolution à l'envers, on entend une voix dire Paul is dead. C'est évidemment une légende, comme celle qui affirme que si on écoute la chanson de Calogero, je joue de la musique à l'envers, on entend la voix de Michel Berger qui dit « Dis donc machin, tant qu'un coquille sans vergogne, au moins c'est le bien !» Mais là, il ne s'agissait pas d'une légende urbaine, Paul is dead, c'était l'annonce dans le style de la chargée de com' de Macron que mon ami Paul Vermus venait de nous quitter. Notre légende urbaine affirme qu'Elvis Presley n'est pas mort, qu'il vit dans la campagne du Middle West pour échapper à l'écume des médias. Il me plaît de penser, mon cher Paul, que comme lui, tu as décidé de fuir les futilités parisiennes et que tu te caches dans ces Bourgognes que nous aimons tant tous les deux. Je vous promets, patron, à partir de demain, que des chroniques légères et rigolotes. Merci beaucoup, Guy Carrière. À l'instant, ce message de Frédéric Schlesinger, patron d'Europe 1. Guy, c'est pas ton truc sur Paul Vermus à la fin qui va te sauver. Tu es quand même viré. Derrière un papier de cette qualité, on pourrait rendre l'antenne. Et pourtant, même si elle ne fera jamais mieux que vendredi dernier où elle avait signé une chronique de référence d'un minimalisme radical, Eva Rock a décidé de remettre son titre en jeu. Eva, vous nous emmenez ce midi au Vietnam. Ah, fascinant Vietnam. Sauf que malheureusement, pour l'humour, ce n'est pas dans le Vietnam actuel. J'ai passé de merveilleuses vacances au Shenzhen Resort Spa Phu Quoc que vous nous entraînez
sais pas. Mais dans le Vietnam, à feu à sang des années 60, faites-nous rire. Non, je vais pas vous faire rire. Je pense que Monsieur Schlesinger va pas être content, ce sera pas de la légèreté. Je vous invite et je vraiment à regarder ce soir sur Arte, c'est ce soir, demain et après-demain, c'est trois soirs de suite en prime time, 9 heures de documentaire, version 18h d'ailleurs aux États-Unis, en prime time, pour raconter l'histoire du Vietnam. C'est un événement qui est signé Ken Burns et Lynn Novick. Des millions de victimes, des pays dévastés. C'était la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. C'est que des ruines. L'objectif du film, en fait, c'est de décrire à la fois la fin de la décolonisation, mais aussi la montée en puissance de la guerre froide, et puis la victoire de ce peuple paysan face à la machinerie américaine. Pour cela, les deux réalisateurs ont travaillé pendant plus de 10 ans. Mais 10 ans à d'abord compiler les photos, des enregistrements secrets, des films d'amateurs, des films de propagande, et puis 10 ans surtout à passer à recueillir des témoignages des deux côtés, à la fois des soldats américains et des membres du Viet Cong. C'est absolument incroyable, et comme vous l'entendez, c'est aussi porté par une bande son exceptionnelle des Doors, aux Stones, en passant par Bob Dylan. C'est 9h, mais franchement, vous regardez ça comme une série de réel, et c'est exceptionnel, et c'est sur Arte. Sur Arte, et uniquement sur Arte, et on ne peut pas le regarder sur Internet, moi je n'ai pas la télé. Vous pouvez le regarder en replay, et le DVD sort le 20 septembre, un coffret DVD. Ah, voilà. Un coffret DVD, exactement. Une belle idée cadeau pour Noël, avec les témoignages. Voilà. Merci beaucoup Eva, merci à tous, Anne-Laure Jumet, Guy Carlier, et notre petite galinette, Maud Descamps. Rien ne s'oppose à midi, revient demain tout de suite, c'est Europe Midi. Je cède le micro à celui qui nous a confié hier qu'il avait question galinette, un sacré tableau de chasse, le Casanova d'Outre Vistule. Maxime Sutek, bonjour. Sans aucun commentaire, bonjour et à demain. À demain. Europe. Il est midi et demi. Midi jusqu'à 13h15, c'est avec vous Maxime Switek. Bonjour Maxime. Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. À la une aujourd'hui, premier témoignage et premier dégât signalé aux Antilles. L'ouragan Maria vient de balayer la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Population confinée, coupure d'électricité, toitures arrachées. Nous ferons le point dès le début de ce journal. 10 euros le paquet de cigarettes, ce sera pour 2020. La hausse sera progressive d'ici là. Le gouvernement espère faire baisser très nettement le nombre de fumeurs. On verra ça dans un instant et tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Dans ce journal, l'évacuation ce matin du campement de Grande-Synthe dans le Nord. 400 migrants vivaient là, dont plus d'une cinquantaine d'enfants. L'exode des Rohingyas, nous serons avec notre envoyé spécial à la frontière birmane, alors qu'Aung San Suu Kyi se dit désolé pour ce qui arrive à cette minorité musulmane. Également sommaire, une première plainte en France pour obsolescence programmée. Une association accuse des fabricants d'imprimantes d'avoir volontairement limité la durée de vie de leurs appareils. Et puis, comment gérer les égos des stars du PSG, Cavani et Neymar, tout proches d'en venir aux mains dans les vestiaires du PSG? On vous racontera ça. La météo, bonjour Christine Peignard. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Amélioration lente à venir, mais amélioration quand même. Oui, quand même, voilà les paquets pluvieux, les derniers, là, ils se dirigent vers l'Alsace, ils descendent vers l'Auvergne et ils vont s'évacuer par les Alpes avec un peu de neige sur, en montagne, en altitude, à partir de 1500 mètres quand même. Derrière, l'amélioration est lente, mais elle est là, le soleil est présent déjà sur une grande moitié ouest du pays, et puis même en Méditerranée il arrive, le vent chasse les nuages justement. Les températures, elles n'évoluent pas encore, souvent 17 degrés à Brest, à Cherbourg, à Lille, à Paris, à Tours, à Tarbes et Montélibar, 15 seulement à Dijon, et jusqu'à 21 en Méditerranée. Météo complète juste avant 13h, Europe Midi, c'est parti.